problème de cap. Voilà. Très bien. Après ce petit problème technique, donc bonjour à toutes et à tous. Mon nom est François-Christophe Jean, je suis consultant avant-vente dans la division Data Protection Solutions de Dell Technologies France. Je vais être assisté par mon collègue Laurent Varnier dans la même division. Et nous allons passer une petite heure ensemble à présenter les solutions de Dell Technologies pour protéger de nouveaux workloads, dont les containers avec Kubernetes, au travers de PowerProtect. Alors PowerProtect, c'est probablement pas le produit de sauvegarde le plus connu de Dell EMC, de Dell Technologies, puisque c'est un produit que nous avons annoncé lors du Dell Technologies World de Las Vegas en mai. Et je vais donc vous présenter cette solution, mais avant de vous présenter cette solution, je vais vous présenter la vision de la data protection de Dell Technologies pour vous montrer comment nous accompagnons la transformation digitale des entreprises. Donc, transformation digitale, c'est maintenant une évidence. Mais avant de parler de ça, on a eu depuis quelques années, on a eu pour habitude de parler de brouillard de données, avec des données qui résidaient tantôt dans le data center, tantôt en périphérie, tantôt dans le private cloud, tantôt dans le public cloud, avec une très grande mobilité des workloads entre ces différentes localisations. Bien entendu, la protection des données doit être assurée, quelle que soit la localisation, et conformément à la politique de protection, de rétention, dictée par la gouvernance de l'entreprise, voire par des régulations au-delà. Si on est une institution financière, la Banque Centrale Européenne, par exemple, donne des régulations très strictes en ce qui concerne les périodes de rétention, la restaurabilité des données. Donc il faut être capable de sauvegarder toutes les sources, de pouvoir couvrir tous les SLA, que ce soit des RTO de quelques secondes, parce qu'on veut retourner en production immédiatement, à des rétentions très très longues pour des conservations avisées légales. Avec bien entendu un coût qui doit être maîtrisé pour s'adapter à l'explosion volumétrique exponentielle des données que l'on a à gérer. Donc de nouveaux business models sont apparus et pour les prendre en compte, de nouveaux services de données. Alors je disais en introduction que nous accompagnons la transformation digitale des entreprises, donc ça c'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte, tout le monde accompagne la transformation digitale des entreprises, mais en ce qui concerne la data protection, on va revenir un peu sur certains points qui sont fondamentaux. Donc on a des applications, c'est un logiciel qui traite de données. Les données sont pérennes, les logiciels, les applications le sont peut-être moins. Donc on a un besoin business pour continuer à utiliser cette application qui traite de ces données. Alors, la première chose que les entreprises font lorsqu'elles numérisent ou digitalisent leur système d'information, c'est de savoir est-ce que cette application, je la conserve ou est-ce que je la retire, je la mets à la retraite. Si je la conserve, je vais me poser un certain nombre de questions. Donc la première, c'est je peux la garder sur son environnement legacy. C'est une application mainframe, par exemple, ou S400, je la garde sur cet environnement-là. Le plus souvent, on essaye de réduire les coûts, on essaye de rationaliser en faisant du rehosting. C'est ce qu'on appelle le lift and shift. Mais on peut aller encore plus loin, et ça va être un peu le propos de cette présentation aujourd'hui, c'est qu'on va faire de la replatformisation par la containerisation des applications. Et puis, on peut carrément réécrire l'application de manière à ce qu'elle soit cloud native et donc qu'elle ait une agilité naturelle à être hébergée soit on-premise, soit dans un cloud public ou un cloud privé avec une très grande volatilité entre ces environnements. Et puis, on peut peut-être trouver mieux sur le marché et donc consommer le service applicatif sous forme de SaaS. Une fois que j'ai mes différentes manières de conserver mes applicatifs, je vais se poser la question de l'hébergement. Donc l'hébergement, si je garde l'environnement legacy, on va être en mode traditionnel. Bien entendu, on va virtualiser de plus en plus ces environnements. Virtualisation qui a été pour une première part traditionnelle, maintenant on n'est plus sur des infrastructures as a service, donc avec des hyperviseurs avec une scalabilité massive. Lorsque je vais m'intéresser aux containers, je vais avoir du container as a service ou de la plateforme as a service. Donc ça, c'est le panorama qui nous est proposé. Et aujourd'hui, on a le choix entre continuer à construire les applications ou à les consommer.
Si on regarde le marché aujourd'hui, nos clients, vos clients, ou vous-même dans vos data centers, bah aujourd'hui, vous êtes très, très majoritairement à construire encore des applications. Donc avec 30% qui restent sur du traditionnel, 60% de virtualisation. Alors ça varie, hein, bien entendu. Il y a des entreprises qui ont une course vers la virtualisation beaucoup plus rapide que d'autres, mais le mode consommation est encore assez faible. Mais ça, ça va changer complètement. Hein, toutes les études convergent pour dire qu'en 2023, ben, on aura 70% en mode consommation. Alors, pas forcément de la consommation en mode SaaS, hein, sur le cloud public, mais du IaaS, du CaaS ou du Platform as a Service sera majoritaire. Et on n'aura plus que 20 à 10% sur des approches traditionnelles, que ce soit du bare metal ou que ce soit des infrastructures virtualisées. Alors, ce qui est très important pour un éditeur de solutions de data protection, c'est d'accompagner ses clients dans cette évolution sans qu'ils aient à remettre en cause leurs investissements en data protection. Investissement, c'est non seulement l'achat du logiciel et du matériel, mais c'est surtout tout ce qui va être autour de l'automatisation. Donc tout ce qui va être scripting, reporting, compliance envers les SLA. Bien entendu, il va falloir que ceci persiste lorsque l'on va avoir une migration entre le traditionnel et le as a service. Donc si je reprends mes catégories, le traditionnel, c'est bien connu, on a des serveurs qui font tourner des applications. Et pour protéger ça, depuis qu'on fait de l'informatique, on fait des point-in-time copies périodiques de manière à déplacer toute ou partie de l'information sur un support de conservation qui est distinct et très souvent distant de la production. Donc on a une cible qui a été pendant longtemps la bande magnétique, qui maintenant est du disque dédupliqué depuis pas mal d'années, mais on a une approche très traditionnelle. Lorsque l'on est dans la virtualisation, on a besoin d'être beaucoup plus agile. Donc on ne va pas s'amuser à installer un agent ou un module dans chaque VM que l'on va créer. Parce que lorsque l'on crée une VM d'un clic sur un portail ou que c'est généré automatiquement, on ne va pas forcément pouvoir provisionner. Donc on va s'intéresser à l'interfaçage avec l'hyperviseur de manière à avoir des proxys ou même des modes sans agent qui vont nous permettre de transférer l'information, le backup image de la VM par exemple, sur la cible de stockage de protection. Donc ça, c'est un mode très traditionnel, bien connu. Lorsque l'on est dans le mode de consommation, on va s'intéresser soit de la VM, soit du container. Mais beaucoup plus important, on ne va pas s'intéresser à l'élément unitaire. Parce que, surtout dans les containers, il peut être extrêmement éphémère, il est extrêmement volatile, il apparaît sur une plateforme, il va être transmis sur une autre plateforme. Donc on va s'intéresser aux orchestrateurs. Donc lorsqu'on est dans le monde VMware, il est très important de s'interfacer avec Verilas Automation, avec Cloud Director si on est un service provider, de manière à, via peut-être des API REST, pouvoir avoir un méta-orchestrateur supérieur, comme un ServiceNow ou comme toutes les moutures basées sur ce modèle qui ont été développées par les entreprises, et donc pouvoir détecter qu'un nouveau workload, une nouvelle VM a été créée, et pouvoir appliquer dynamiquement la politique de protection. Donc une fois que l'on a cette application qui a été repurposée soit sur une VM, soit dans un container, se pose la question de la localisation de l'hébergement. Est-ce que je le mets on-premise ou est-ce que je le mets off-premise, sachant que ce n'est peut-être pas un choix définitif. On peut tester par exemple la viabilité ou l'intérêt d'une application dans le cloud public et puis réinternaliser pour des raisons de sécurité ultérieurement. Donc on va avoir du off-premise, l'ensemble des offreurs de cloud public, avec ou sans une couche VMware dessus, mais on va être bien entendu capable de s'interfacer avec les outils natifs fournis par ces hébergeurs de cloud, ou on est on-premise, et à ce moment-là, on est soit en mode complètement software-defined, soit en mode hyper-convergé le plus souvent. Donc, on a en ce moment une cohabitation entre des workloads traditionnels, des workloads virtualisés, des workloads qui sont externalisés et puis des workloads qui sont sur des plateformes hyper convergées. On a en plus à prendre en compte des workloads que l'on achète à la consommation dans le cloud, comme par exemple Salesforce.com ou Office 365 pour les plus connus. Et probablement, on a, en tous les cas en ce qui concerne Office 365, besoin d'avoir la même politique de data protection, de rétention, de compliance que pour le serveur Exchange que l'on avait on-premise quelques années auparavant. Donc, on a besoin de pouvoir couvrir la protection des données
de manière ubiquitaire. On a besoin d'avoir une cible de sauvegarde qui va être adaptée à la criticité des données ou à la valeur de la donnée. Donc en plus des cibles de stockage traditionnelles, stockage sur disque rapide, chez Dell Technologies, c'est majoritairement représenté par Data Domain, on va avoir besoin d'utiliser le stockage objet pour plusieurs raisons. D'abord son coût, et puis ensuite son aspect scale-out pratiquement illimité. Et le fait que l'on va retrouver du stockage objet via une interface normalisée, entre guillemets, qui est le protocole S3 d'Amazon, qui est adopté par l'intégralité des acteurs du marché. En plus de ça, le stockage de protection doit pouvoir le prémunir contre la destruction. Donc tout ce qui va être cyberattaque, non seulement les ransomware, qui sont des pénétrations via l'extérieur, mais surtout des attaques venues d'insiders, qui vont détruire de la donnée, soit pour des motifs de vengeance, soit du terrorisme, qui peut être du terrorisme d'État. Donc on a besoin de pouvoir isoler des copies des données critiques et vitales de l'entreprise. Et ces données critiques et vitales, elles peuvent être soit on-premise, soit elles peuvent être dans les clouds. Donc on doit avoir aussi une couche d'isolation qui soit accessible, quel que soit le workload considéré. Et puis bien entendu, lorsque l'on a une telle diversité, il va falloir avoir une couche de data management qui va nous permettre de gérer de manière uniforme la data protection, savoir si on respecte les SLA, si on est conforme aux règles de compliance à tout moment, et bien entendu de pouvoir automatiser la remédiation si jamais il y a une dérive par rapport à ces règles. Donc, après cette longue introduction, on s'est dit au sein de Dell Technologies que finalement les outils que l'on avait, les outils de sauvegarde, bien connu, qui était basé sur des modèles traditionnels. Donc chez EMC, puis Dell EMC, les outils de sauvegarde, c'est traditionnellement Avamar et Networker, mais qui était basé sur un paradigme un petit peu dépassé, en tous les cas difficilement adaptable à l'agilité nécessaire à la replateformisation, à la containerisation de l'information. Donc on a introduit un nouveau concept et un nouveau produit logiciel sur le marché qui s'appelle PowerProtect. Alors qu'est-ce que PowerProtect ? Bon, la première chose, c'est de minimiser la complexité de la data protection. Ça n'a rien de révolutionnaire. Depuis qu'on fait des appliances intégrées de data protection, que ce soit nous-mêmes ou nos amis et concurrents qui exposent ici, on veut simplifier la mise en œuvre et l'administration de la protection des données. Là où c'est plus intéressant, ce qui nous concerne, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est mettre en avant le self-service. Donc, pas transférer complètement le pouvoir aux administrateurs de données, aux gestionnaires de données, voire aux applications elles-mêmes, mais leur permettre d'automatiser les choses tout en étant sous contrôle, de la gouvernance de l'IT. Donc c'est l'IT centrale qui va définir les règles de data protection, et le système doit être à même de découvrir qu'un nouveau workload a été créé dynamiquement et appliquer la bonne politique de data protection sur ce workload. Et bien entendu, gérer le cloud, que ce soit comme source ou comme cible, que ce soit comme moyen de baisser le coût total de possession de la solution ou comme permettre de nouveaux usages. Donc, le PowerProtect est basé sur un triptyque. Donc, d'abord, la disponibilité des données. Donc, on va retrouver dans PowerProtect des moyens de faire du backup et de la restauration, c'est le minimum. De faire de continuité de business avec la réplication ou du CDP, du disaster recovery, que ce soit on-premise ou dans le cloud. De mettre en œuvre une solution de scale-out et de déduplication. Alors, je fais un petit aparté sur la déduplication, parce que c'est vrai que la déduplication, on en parle en tous les cas, Data Domain, depuis 2003. Et au début, la déduplication était vue comme un moyen de réduire le coût des rétentions, en disant on peut garder plus longtemps pour le même prix, puisque avec la communalité des données, on va écrire moins sur les disques. La déduplication telle qu'on l'envisage nous, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un effet de bord, certes bénéfique, mais c'est pas le but. Le but, la déduplication, c'est un enabler. La déduplication s'appuie sur les mécanismes de réduction de données de la source. Donc la déduplication se fait à l'intérieur du workload, à l'intérieur de l'application, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, et va permettre de ne transférer que la quantité de données nécessaire et suffisante pour pouvoir protéger ou intégrer une transition d'état dans un workload.
Le deuxième pilier, c'est le data management. Alors, je pense que tous les orateurs aujourd'hui ici parlent de data management. Donc, le data management, c'est d'être capable de traiter la localisation multiple, d'avoir du on-premise, du multi-cloud, de s'apercevoir qu'on a déjà fait une copie des données qu'on peut réutiliser, être capable d'alimenter la pré-production à partir de la production, d'être capable de faire de l'indexation des métadonnées des données, d'essayer de valoriser ce corpus de données en rétention qu'on a dans nos cibles de data protection, et puis d'avoir une orchestration qui soit, là encore, ubiquitaire, on-premise, dans tous les clouds, en mode SaaS. Donc, au-dessus de ça, on va avoir une certaine intelligence, donc la valorisation d'un centre de coût. Traditionnellement, la sauvegarde est un centre de coût. Donc, faire de l'analytique in situ, de faire de la protection qui soit isolée pour se protéger contre les cyberattaques ou les insiders, c'est le cyber recovery. Et puis, être capable de traiter des containers et des applications cloud native, comme on va le voir par la suite. Et puis, bien entendu, ce logiciel, il ne sert à rien si jamais il n'a pas de cible pour protéger les données. Et cette cible, elle est multiple. Soit c'est du software-defined data protection, soit c'est des appliances, mais des appliances qui maintenant sont multidimensionnelles de manière à pouvoir être instanciées à la demande. Lorsqu'un nouveau workload arrive, on applique une politique, mais il faut avoir un réceptacle pour stocker la rétention. Donc, être capable de faire croître dynamiquement les appliances de data protection, et puis aussi de pouvoir consommer du stockage en mode as a service dans n'importe quel cloud. Donc, pour résumer, ce qui prévalait, simplicité, automatisation. Automatisation, c'est le maître mot, et on va voir que dans la sauvegarde des containers, c'est fondamental. Si jamais on ne s'interface pas à un orchestrateur, on ne peut strictement rien faire. Donc je vais passer rapidement parce que l'introduction est très longue, mais simplement quelques points importants de PowerProtect. Donc PowerProtect, bien entendu, on n'a pas développé from scratch. On s'appuie sur des mécanismes que l'on avait déjà mis en œuvre avec Data Domain, avec des DBOS pour entreprises d'applications. C'est-à-dire qu'on permettait à un DBA, par exemple, un DBA Oracle qui utilise Airman, de pouvoir pousser directement dans le stockage de protection Data Domain un dump fait avec Airman, comme il le faisait avant sur un file system, et l'outil de sauvegarde venait ramasser ce dump pour le sauvegarder. Donc on avait ça pour l'ensemble des bases de données, on avait ça pour VMware. On a bien entendu conservé tout ceci, mais ce que l'on a fait en plus, c'est qu'on peut se passer du DBA. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au serveur de base de données et le système va regarder ce serveur. Il va s'apercevoir qu'une instance nouvelle a été créée et donc va appliquer la politique de protection directement sur ce nouveau workload. Donc, le data manager, le data owner ou l'application n'est pas livrée elle-même, elle est autonome, mais elle ne peut faire que ce que le central IT, la gouvernance, lui a autorisé faire. Donc le multi-cloud, j'en ai parlé, source ou cible, on va passer rapidement. Le management, donc le management, c'est bien entendu une interface HTML5, qui nécessite aucun déploiement préalable, mais c'est surtout une interface qui s'appuie exclusivement sur des API REST. Tous nos développements sont effectivement livrés avec les API REST et un Swagger de manière à pouvoir utiliser ces API dans n'importe quel binding language que vous voulez ou mettre ça dans un portail. Bien entendu, on livre toujours une interface graphique pour les utiliser directement. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire avec un slide d'avance. Donc, utilisation des API. Chose qui est extrêmement importante également, et je viens de l'évoquer sur le multidimensional appliance, automatiser, faire du self-service, c'est très bien, mais il faut aussi automatiser le provisioning du stockage. Ce que l'on avait comme ennui, entre guillemets, avec Data Domain, c'est le concept d'appliance, c'est très très bien, c'est très facile, mais quand l'appliance est pleine, il faut mettre une autre appliance à côté. Et ça veut dire réurbaniser un petit peu le système de data protection. Il faut faire migrer des workloads d'une appliance à une autre. Et puis, si jamais j'ai une création dynamique extrêmement rapide et non prévue, comment je fais pour pouvoir provisionner mon stockage de protection? Donc la réponse que l'on avait
c'était avec Data Domain Virtual Edition que l'on peut héberger sur un hyperviseur, que ce soit VMware, Hyper-V ou KVM, qui va permettre de créer à la volée une instance de Data Domain pour pouvoir héberger ces workloads. Maintenant, nous avons annoncé il y a 2 jours PowerProtect Data Domain qui va nous permettre dans l'avenir, ce n'est pas la release que l'on a annoncée il y a 2 jours, mais de pouvoir fédérer dans un global namespace unique plusieurs appliances physiques data domain de manière à pouvoir étendre dynamiquement l'espace dédupliqué de stockage de la data protection. Donc, self-service, PowerProtect première édition, donc ce qui est disponible aujourd'hui, que vous pouvez acheter, et centré sur 3 workloads qui sont extrêmement importants pour la partie legacy de la transformation, c'est-à-dire application directe, je regarde les créations d'instances de bases de données, je les protège automatiquement. Le stockage direct, lorsque j'ai une baie de stockage d'LEMC, je peux rendre persistant un snapshot, un clone, pour l'envoyer directement dans Data Domain. Donc là, je fais complètement du serverless backup. Et puis, on fait ce qu'on a toujours fait avec VMware, c'est de la data protection dynamique des VM. Donc une nouvelle VM qui est créée, qui est gérée par vSphere, par le vCenter. Je continue à pouvoir la sauvegarder directement à partir des outils VMware. Donc on a la possibilité de faire, bien entendu, des backups images, de faire de la restauration granulaire à partir de ce backup image. Si à l'intérieur de la VM, j'ai une base de données SQL, grâce à l'interfaçage avec les couches VSS, je peux faire un backup image, non seulement crash consistante, mais application consistante. Et puis, je peux faire une réplication continue. Je peux faire également quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire faire du disaster recovery. J'ai un backup image d'une VM VMware. Je vais l'envoyer chez Amazon ou chez Azure dans lequel il n'y a pas VMware. Et je vais pouvoir automatiquement transformer le système, le format du VMDK vers quelque chose qui est compréhensible par exemple Amazon. Je vais transformer ça en AMI EC2 de manière à pouvoir recouvrer mon workload applicatif dans Amazon, dans Azure, à partir d'un backup image on-premise fait avec Data PowerProtect sur VMware, alors que chez Amazon, je n'ai par exemple pas VMware. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, on s'interface avec les orchestrateurs, donc tous les outils d'automation de la suite Verialize de VMware, ce qui permet à l'administrateur de l'environnement virtualisé de ne jamais quitter les outils qu'il a l'habitude d'utiliser. Il ne va jamais voir une console PowerProtect, il va simplement interagir avec les outils natifs VMware pour protéger les workloads virtualisés. C'est un peu une redite par rapport à ce que je disais en introduction. Donc ça, c'est très bien de tout automatiser, mais on ne veut pas laisser complètement le contrôle aux administrateurs de VM, aux DBA, aux gérants applicatifs. Puisque, in fine, ceux qui auront à rendre des comptes, c'est l'IT centrale. On doit être capable de récupérer un business après un crash, et on ne doit pas compter sur la bonne volonté d'un DBA ou autre d'avoir fait ou pas le backup au bon moment. Donc, pour résumer, PowerProtect, c'est du software-defined data management qui va fonctionner aussi bien on-premise sur des systèmes traditionnels que sur des environnements virtualisés que dans le cloud. Et cette slide résume l'approche application directe avec la compliance et la gouvernance de l'IT. Donc, après cette longue introduction, on va arriver au vif du sujet qui est PowerProtect for Kubernetes. Alors, PowerProtect pour Kubernetes, c'est extrêmement important d'avoir mis en œuvre cette approche automatique parce qu'on n'aurait pas pu le faire avec les outils dont nous disposions avant, avec la nécessité de mettre un proxy ou de mettre un agent dans la VM. On ne va pas s'amuser à mettre quelque chose dans le container. Pourquoi ? Parce que, ceci est une vision très simplifiée mais assez réaliste des différences que l'on a entre les différents modèles de déploiement. Donc, dans le traditionnel, on a les applications sur l'operating system. Dans le mode IaaS, on a l'hyperviseur qui va permettre d'héberger beaucoup d'operating
système avec beaucoup d'applications. Et puis, dans le mode de container, ben, on a un runtime qui va en fait faire se passer des operating systems à l'intérieur des containers. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de s'interfacer avec les outils, j'ai un truc qui va aller, voilà, avec les outils d'orchestration mis à disposition par la plateforme de virtualisation ou de containerisation, et ce de manière dynamique, d'autant plus dynamique qu'un container, comme je disais, ça peut être éphémère, ça peut être stateless, ça peut se déplacer du on-premise au off-premise, ça peut tourner sur une infrastructure totalement différente entre deux instanciations. Donc il faut être au courant de tous ces changements, donc il faut s'interfacer avec la couche de runtime. Donc si on regarde les différences, la première différence pour la data protection qui nous intéresse, c'est qu'on peut avoir du stateless. Donc bien entendu, on ne va pas faire de la protection de containers stateless, on va faire une protection de containers stateful, mais on va aussi faire une protection de toutes les recettes qui permettent de régénérer un container stateless, parce que peut-être une régulation va me dire, eh ben, il y a eu un changement dans le code, et ce changement dans le code a amené une modification des données. Donc même si jamais je fais une data protection d'un stockage persistant dans un container, il faut qu'en même temps, je sois capable de rejouer ce qui a prévalu à la modification de l'instance du container. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de l'avantage du container par rapport au VM, mais ce qui est très important, et c'est ce qui va renforcer la nécessité d'avoir cette automatisation que l'on a dans PowerProtect, c'est l'agilité. Agilité de création et de déploiement. On est vraiment dans le DevOps. Donc on va avoir des développeurs qui vont vouloir mettre leur container en production le plus rapidement possible sans en référer jamais à l'IT. Et l'IT va avoir pour mission de protéger ces containers. Donc s'ils ne se parlent pas, il va falloir que l'on découvre que des containers ont été mis en production et que l'on applique automatiquement une politique de protection. Donc c'est cet aspect continu qui va rendre nécessaire cette approche automatique. Donc également, ce qui est important, c'est qu'on a une très grande variabilité entre les environnements. Et donc, on ne peut pas avoir une approche qu'on avait traditionnellement, où on avait un agent que l'on réalisait pour un operating system, et puis on le portait sur un operating system différent. Là, il va falloir que l'on soit capable de tourner, de protéger des containers, quelle que soit l'infrastructure sous-jacente sur laquelle ils vont tourner. Alors, ce qui est également très important, c'est les containers, on va pouvoir isoler les ressources de manière à avoir des performances qui vont être prédictibles. Mais quand on va isoler les ressources, on va en fait éclater une application entre plusieurs containers, plusieurs dizaines de containers qui vont tourner sur des environnements différents. Et on va devoir, lorsqu'on fait de la data protection, avoir une sorte de groupe de consistance entre tous ces containers, de manière à ce qu'on soit certain que le point in time que l'on prend comme référence pour une éventuelle action légale ou de compliance, ce soit bien cohérent entre tous les différents containers et que l'on soit capable de régénérer l'application, de retrouver l'information avec un point in time copy qui soit cohérent. Donc, il y a certains challenges avec les containers qu'il va falloir prendre en compte pour la data protection. Donc, il va falloir que je provisionne des hosts, bien entendu. Bon, ça, c'est le container as a service ou plateforme as a service, l'infrastructure as a code qui va me permettre de faire ça. Mais bien entendu, ça va mettre quelques contraintes supplémentaires sur la data protection. L'automatisation de l'application également peut être un challenge. Et le scale-out, on a évoqué le scale-out de l'application, c'est de multiplier les différents containers de manière à avoir plus de parallélisme, plus de performance, mais probablement avoir un stockage persistant qui va être commun entre tous ces containers. Je sauvegarde quoi ? Je sauvegarde un container, je sauvegarde le stockage, je sauvegarde l'intégralité des containers. Donc on a beaucoup de choix à faire pour pouvoir avoir une approche consistante et qui soit alignée avec la protection policy que l'on a par ailleurs dans le IaaS ou dans le traditionnel. Donc ça, c'est
ce qu'il disait juste à quelques instants, c'est le plus important. Donc, j'ai plusieurs containers qui travaillent en parallèle pour augmenter les performances et qui doivent être vus comme une application unique. Comment est-ce que je protège ça de manière homogène et efficace? Donc, on a compris, dans le mot container, il y a le maître mot pour la data protection, pour beaucoup de choses, c'est l'orchestration. Donc, l'orchestration, il y en a plein. Et se détache actuellement Kubernetes comme système d'orchestration d'intégration qui a été repris comme un standard de l'open source, initié par Google mais repris par tout le monde, et nous nous interfaçons exclusivement avec Kubernetes pour sauvegarder du container aujourd'hui. Donc Kubernetes va nous offrir plusieurs services qui sont très importants. Donc d'abord, service discovery et de load balancing. Donc il va permettre de distribuer le trafic réseau, d'exposer un container au monde extérieur. Orchestrer le stockage. Donc avec un montage automatique du stockage, lorsqu'on va créer un nouveau container, on va être capable de dynamiquement monter le stockage et de dynamiquement le démonter lorsque l'on va le réaliser. Être capable de faire des rollouts et des rollbacks, donc c'est un aspect extrêmement dynamique du container. Le self-healing, c'est quelque chose qui parle beaucoup quand on fait de la data protection. Donc on va avoir ici un mécanisme qui va faire un restart automatique des containers si jamais il y a eu un problème sur l'infrastructure ou si jamais on fait une migration de containers. Donc tout ceci, c'est quelque chose qui est un cauchemar pour la data protection puisqu'on est dans un environnement extrêmement dynamique, extrêmement mouvant. Donc on peut se dire, finalement, la persistance, c'est antinomique avec la notion de container. On fait des containers pour être agile, pour être dynamique, pour être stateless. Et vous nous parlez de persistance, de data protection. Oui, parce qu'en fait, le monde idéal du développeur qui veut mettre sur le marché très très rapidement l'application qui fait plein d'itérations de Scrum avec beaucoup de sprints de développement, on va peut-être avoir une application qui nécessite une compliance et donc qui va nécessiter de savoir où se situent les données critiques, de savoir dans quel état elles étaient à tel moment du cycle de vie de l'application, d'être capable de revenir en arrière parce que les données peuvent se détruire, peuvent se perdre, peuvent être attaquées par un ransomware ou autre. Donc comme une application IaaS, c'est aussi sauvegarder les données qui sont gérées par un container. Donc l'efficacité, c'est également quelque chose de très très important. On a, au début du IaaS, de la virtualisation, le but de la virtualisation, c'était d'optimiser l'utilisation des ressources. Et donc on mettait tellement de VM qui utilisaient à elles toutes pratiquement 100% du CPU, de la mémoire disponible, du réseau, que lorsque il fallait s'intéresser à la protection des données, soit on écroulait tout, soit on faisait un choix en ce qu'on voulait protéger parce qu'on ne pouvait pas tout protéger en même temps. Donc finalement, on devait dégrader la promesse de la virtualisation pour garder pendant une période, la plus courte possible certes, mais ce n'était pas égal à zéro, suffisamment de ressources pour pouvoir protéger cette infrastructure. On va avoir exactement le même problème avec les containers. Il faut être capable de protéger la donnée tout en respectant les différents environnements. Si jamais, je vais caricaturer, on a un container qui passe d'une implémentation dans un data center avec une baie de stockage extrêmement performante et avec des serveurs avec beaucoup de CPU multicore, et que le container il passe sur un laptop, peut-être qu'il va falloir sauvegarder le container quand il est sur le laptop avec pas du tout les mêmes ressources. Donc il va falloir être extrêmement adaptable en fonction de la disponibilité des ressources sous-jacentes pour être compatible avec ce que l'infrastructure peut supporter tout en respectant les nécessités de la compliance. Donc on a également aussi des services à valeur ajoutée apportés par la data protection, par le backup. Donc déjà,
lorsque l'on a des point-in-time copies de stockage persistant gérés par les containers, on peut les utiliser pour alimenter d'autres containers. Prenez l'exemple de la prod qui alimentait la pré-prod dans des environnements traditionnels. On a exactement la même chose dans le monde des containers. Et puis la cyberprotection, il va falloir isoler complètement du réseau certaines données, parce que si jamais la donnée est accessible par le réseau, la donnée est potentiellement contaminable, potentiellement destructible par quelqu'un de mal intentionné, que ce soit de l'externe ou de l'interne. Alors, comme on avait notre dilemme entre le DBA et l'IT, on a encore plus le DBA, le dilemme entre les admins Kubernetes et les backup admins, parce que ce que veut faire un développeur de container ou un administrateur Kubernetes, c'est réaliser le plus rapidement possible, faire des itérations très rapides d'applications. Et en fait, il se repose sur l'IT centrale qui doit maintenir en condition opérationnelle une infrastructure de manière à ce que lui puisse jouer avec ses outils de développement, être à l'écoute des feedbacks des utilisateurs, etc., pour améliorer le développement. Et donc, tout ce qui va concerner la data protection, ce n'est pas son problème. Alors, ce n'est pas son problème, sauf si il développe une application cloud native dans laquelle l'application, c'est elle-même. Se protéger. Et ça, c'est ce vers quoi on tend de manière massive actuellement, puisque traditionnellement, on allait chercher périodiquement l'information et forcément, on n'était pas forcément synchronisé avec les mécanismes applicatifs. Peut-être qu'on le faisait au mauvais moment, ou alors on avait besoin d'un ordonnanceur externe qui devait faire des flushes de buffers sur les disques de manière à ce qu'on ait une application consistante. Maintenant, on essaye le plus possible de développer des applications qui embarquent dans leur code le moment de se protéger. Par exemple, j'ai une transition d'état, à ce moment-là, je vais déclencher un snapshot ou quelque chose qui va me permettre de rejouer le transaction log que je viens de faire. Donc, je suis autonome et je ne veux pas sortir de mon monde. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un problème, je vais perdre ma donnée, que je vais perdre mon container, je veux rester dans mon environnement agile pour faire restauration. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir un ticket à l'IT de manière à ce qu'on me dise écoutez, les données elles seront disponibles dans 3 jours parce qu'elles sont sur bande et elles ont été externalisées. Ça, c'est quelque chose d'inconcevable dans le monde des containers. Donc, on a un monde agile avec un monde beaucoup plus traditionnel des garants de l'orthodoxie de la data protection de l'IT centrale qui, eux, ils veulent mettre leur imprimatur avant que quelque chose soit mis en production. Ils veulent que les nouvelles applications aient passé tous les tests de compliance. Donc ça, c'est antinomique avec les besoins de ces gens agiles. Donc il va falloir leur offrir un outil unique qui va permettre aux deux mondes non seulement de communiquer, mais de travailler en étroite collaboration. Donc pour Protect with Kubernetes, c'est exactement la même qualité de data protection que ce que l'on offre sur le monde traditionnel ou sur le monde du IaaS, avec l'agilité et les outils natifs offerts aux administrateurs Kubernetes. Alors bien entendu, on n'a pas réinventé la roue. Power Protect, il s'appuie sur des data movers, il s'appuie sur des composants logiciels que l'on a pris soit dans le legacy de Dell EMC, Dell Technology, que ce soit Avamar ou Networker. Là, on s'est interfacé avec Velero, qui va nous permettre de gérer, Velero gère la persistance du stockage, et on s'interface avec cette couche pour pouvoir faire cette data protection. Alors si je reprends mon schéma de Power Protect fonctionnel, instancié dans le monde des containers Kubernetes, on va avoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va découvrir la création d'un nouveau container. On va mettre en œuvre une politique de sauvegarde qui a été définie par l'IT centrale. On va vérifier de manière périodique et constante que la gouvernance est bien respectée. C'est-à-dire que si jamais on pensait qu'une copie devait être faite toutes les 6 heures et qu'on s'aperçoit que la dernière copie remonte à 24 heures, on est capable de générer automatiquement cette nouvelle copie de manière à être conforme à la compliance. On va être capable, bien entendu, de faire un recovery qui est soit un recovery sélectif par l'administrateur Kubernetes ou alors un disaster recovery ou un rollback massif fait par l'IT centrale. Donc, la flexibilité, c'est que l'on va pouvoir stocker
nos data protection dans un environnement traditionnel des technologies, c'est-à-dire du data domain, bientôt du data domain multidimensionnel, ou également directement dans du stockage objet via une interface S3. Donc on va protéger, bien entendu, les volumes persistants grâce à Velero, mais on va aussi protéger les applications. On va aussi protéger la recette de cuisine qui nous permet de régénérer un container stateless lorsque l'on en a besoin. Donc les containers vont pouvoir être protégés, qu'ils soient on-premise et dans le cloud. Alors je dis vont pouvoir parce que vous allez voir que on est dans le début d'une phase de développement, donc tout n'est pas disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait que du on-premise. Bientôt, on fera également le cloud. Et puis, bien entendu, comme tout le reste, on s'appuie sur des API, donc des API REST, mais également les API KubeControl, qui va permettre de s'interfacer aux outils qui s'interfacent avec Kubernetes, de manière à avoir une surcouche de management la plus légère possible. On protège également les ressources internes des clusters Kubernetes, donc les bases MySQL, de manière à avoir aussi une persistance de cet environnement. Et puis, on va être capable de faire de l'affinité. On ne fait pas du backup de log, enfin de redo log, qui va permettre de rejouer les choses pour retrouver un container. Non, on va faire une restauration du container dans un état bien précis. Et puis, nous avons tout ceci sous forme d'une seule plateforme logicielle qui va pouvoir, comme le reste de PowerProtect, interfacer des appliances ou du software defined. Alors, si on regarde rapidement un éclaté de la solution, donc le plus important, c'est ces trois administrateurs. Comme toutes les instanciations de PowerProtect, on a d'abord l'IT qui fait du backup. Donc lui, il a sa console HTML5 PowerProtect centrale et il s'interface avec le PowerProtect software qui, lui, intègre un manager Kubernetes qui est interfacé aux API Kubernetes. En aucun cas, il ne va, cet administrateur de backup, avoir à apprendre un nouveau monde. Il n'est peut-être pas de la génération du container, il a eu du mal avec la virtualisation, donc il continue à utiliser les outils avec lesquels il est à l'aise. Donc, grâce au projet Tanzu, on sait que Kubernetes peut être intégré dans vSphere. Donc, on a un autre larron qui rentre dans le jeu, c'est l'administrateur vSphere, et lui, il avait l'habitude de pouvoir gérer la sauvegarde des VM qu'il crée via Relays Automation, etc. Mais il va pouvoir faire exactement la même chose, de gérer le backup de containers qui ont été créés dans cet environnement-là. Et puis, on a l'administrateur Kubernetes ou le développeur d'applications containérisées. Et lui, ça, il n'en a strictement rien à faire, comme je disais tout à l'heure. Donc lui, il va directement s'interfacer avec les API Kubernetes et il ne sait pas que les containers qu'il crée sont protégés. Donc nous avons à l'intérieur le moteur pour la persistance des containers, c'est Velero. Nous avons rajouté des plugins qui permettent à Velero d'écrire dans Data Domain en déduplication à la source, donc de manière à minimiser le transfert de données, de permettre une efficacité et d'avoir un RPO qui va être plus court. On va également avoir un plugin pour sauvegarder les bases MySQL. Donc, on va pouvoir soit sauvegarder le master, soit un des slaves avec un scheduling que l'on va pouvoir définir à l'instanciation. Et puis, une fois que l'on a ça, il va falloir avoir des data movers, donc ça ce sont les data movers PowerProtect, qui vont nous envoyer grâce au protocole DDBoost la donnée sauvegardée sur un data domain traditionnel, sur les nouvelles appliances PowerProtect intégrées. Donc les appliances PowerProtect que l'on a sur le marché actuellement, les X400, n'intègrent pas encore PowerProtect. Je vais vous montrer dans la slide suivante le phasing. Aujourd'hui, ces appliances-là, elles ne traitent que de VMware YAS, donc vSphere, de SQL et d'Oracle, mais lors de la prochaine release, on va intégrer tout cet environnement-là de manière à pouvoir protéger dans une appliance intégrée les containers. Et puis,
Ben, data domain, c'est très bien, mais peut-être qu'on a des containers qui ne nécessitent pas ben, la qualité de service associée au stockage de protection ultime data domain. Et donc, on va pouvoir l'envoyer sur du stockage objet. Donc, ce stockage objet, il peut être on-premise. Donc, ça, c'est notre propre instanciation du stockage objet. Donc, c'est Elastic Cloud Storage de Dell Technologies. Mais ça peut être dans n'importe quel, via le connecteur S3, dans n'importe quel provider S3, que ce soit du on-premise comme Scality ou que ce soit du AWS dans le cloud. Donc, comme je disais, on a commencé par un projet pilote, donc qui était en fait simplement l'intégration de Velero, c'était le projet Ratchet, de manière à valider ben, cette sauvegarde avec deux aspects, les containers storage persistants et puis les bases de données MySQL avec une target data domain et ECS. Donc ça, cette phase-là est révolue. On est maintenant dans la phase d'intégration avec Power Protect. Donc là, on va avoir une petite régression par rapport à ici, parce que ceci est un projet, ceci est un produit. Donc nous avons dans la release 3 de Power Protect Software, qui va survenir, je pense, en décembre, on va augmenter la capacité de traitement des workloads. Donc en plus de VMware traditionnel vSphere, on va avoir VMware, enfin Kubernetes dans VMware, mais uniquement on-premise. Je ne sais pas où il est. Enfin, en tous les cas, c'est uniquement voilà, ici. Avec bien entendu des règles de sécurité, de scalabilité. Alors que la scalabilité, elle va être obtenue grâce à Data Domain Virtual Edition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du Data Domain à la demande. On va avoir plus tard la possibilité de créer de nouveaux data domaines physiques, enfin de fédérer de nouveaux data domaines physiques, mais ça sera dans la génération 3. Bien entendu, les API REST seront toutes publiées et documentées de manière à pouvoir automatiser cette protection, de le mettre dans les portails comme ServiceNow ou autre. Et puis la prochaine génération, bah, c'est d'avoir le support de Kubernetes dans le cloud, ce qui nécessite bien entendu d'avoir un management qui est lui-même dans le cloud en mode SaaS, de manière à pouvoir gérer aussi bien le on-premise que l'off-premise. Et ben, je crois que nous arrivons au bout de cette présentation, avec 5 minutes d'avance.